suis encore, et j'espère que ça va se développer, la seule lucicultrice en Normandie. Ici, vous êtes dans une des nommées noyerets. J'en ai 1300 arbres dans plusieurs noyerets, dans plusieurs endroits. On utilise tout dans la noix, donc on commence par le brou, on l'utilise pour faire de la teinture. En général, exclusivement sur du bois. Ensuite, la coquille, quand on la casse, on récupère le cerneau, mais on peut aussi garder la coquille. Donc moi, je fais à la ferme, à la mini-ferme, on fait des animations pour les enfants, donc on fait des décorations. À Noël, on fait des guirlandes de Noël. Voilà, on fait plein de choses. Le cerneau, il est utile pour deux choses. D'un côté, je casse mon cerneau en deux. D'un côté, donc, j'ai mes noix pralies, qui est une recette à base de cannelle et gingembre. On les déguste avec un petit café, en dessert, en entrée, en apéritif. En voilà. Toutes les noix sont triées à la main. Donc je casse avec ma casseuse qui est à la ferme. Et ensuite, tout le tri se fait à la main. Donc d'un côté, j'ai les beaux cerneaux. De l'autre côté, j'ai les pas beaux cerneaux que là, j'utilise pour l'huile. De l'huile, je fais mon huile de noix et je fais le même procédé pour la noisette. Je fais ensuite, je garde mon tourteau que je retravaille derrière, je fais sécher une nouvelle fois, je fais ma farine. Et de ma farine, quand je tamise ma farine, il reste des résidus et c'est ce qui me sert pour traiter mes arbres, donc donner à manger aux oiseaux. Et donc moi j'incite les oiseaux à venir dans les noyers pour venir manger les insectes qui viennent pondre sur le brou au mois de juillet. Tous s'utilisent dans la noix, c'est un très bon produit. J'aimerais que la Normandie travaille un peu plus sur ce produit qui était quand même quelque chose de révolutionnaire il y a quelques centaines d'années. Donc, tout le monde connaissait le bienfait de la noix. Donc, j'aimerais développer en épicerie fine ce produit pour faire voir qu'en Normandie, on a vraiment tout ce qu'il faut pour notre bien-être.